Voilà, très cher ami du petit écran, là on est au Zénith de Paris où va se dérouler le concert de Fally Ipupa du Cap La Merveille. Et ben on est là pour tout le monde, hein, pour tout le comment ça va se dérouler, parce que ce concert justement par rapport à l'actualité qu'il y a à Paris, donc et ça là que non, les gens hésitent, on ne sait pas. Mais qui vivra verra, nous reviendrons encore après, peut-être vers minuit, pour voir vraiment s'il y a, bien, il y a eu le concert. Alors je vais me diriger vers Fally Ipupa parce qu'il doit monter pour faire le balance, justement pour lui demander comment ça se passe, comment il se sent. Voilà. Bonsoir Fally. Bonsoir Lydie. Comment tu vas? Pardon? Comment tu vas? Ouais, je vais bien, merci. À quelques heures de ton concert, tu te sens comment? Ouais, je me sens super en forme. En fait, je suis arrivé cet avant-midi. Et là, on est en train de faire la balance et puis voilà. Vous pensez qu'il y aura un concert ce soir par rapport à l'actualité qu'il y a sur Paris? Si on est tous là avec le groupe, je pense que c'est pour faire de la musique. On est en train de faire la balance, donc il y aura le concert. Et vous ne craignez pas pour la sécurité des gens qui vont venir? Pardon? Vous ne craignez pas pour la sécurité des gens qui vont venir, en fait? Oui, mais les gens qui vont venir, ils savent qu'on est là pour chanter, pas pour... On fait la musique, mais moi, je suis un chanteur. Le producteur a engagé ses frères pour organiser ses spectacles, et donc on est là, ça sera pour chanter et danser, rien d'autre. Donc les gens qui m'aiment, ne vous inquiétez pas. On sera là pour... vous ne serez pas à l'insécurité en écoutant mes chansons, en regardant comment on sera en train de danser. Donc il n'y aura pas d'inquiétude. Qu'on s'attend tellement à une grande fête ce soir. Ouais, ça sera, c'est la fête. La fête de la musique. C'est la fête de la musique, la fête africaine. Voilà. J'espère que tu vas te pointer à temps parce que d'habitude... Je suis déjà là, je suis malheureusement, en fait je vais expliquer aux gens, je suis déjà au Zénith, mais il y aura un concert de nos frères maghrébiens avant. Ils vont finir, je crois, à 22h, le temps de mettre tout en place. Moi, je serai sur, je serai déjà ici, hein. Je suis déjà au Zénith, donc. Ben, on se voit tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Merci, bon merci boulot. Merci beaucoup, merci. Pour la première fois, on va y avoir trop salé de pochette. Jack, mais il s'en est.
Au quatrième zénith, on a Cambodge. Quatrième zénith, la vie, il y a Moutou. Au salon, on habite en quatre fois déjà. Donc, quatrième fois. Et on est radio. Pardon, mon vieux. C'est la dernière polémique qui était pour la Cambodge, pour la vie, naïe, quatrième fois. Avec les boulots. Cambodge, quatrième fois. On n'a pas une chanson. Pour la quatrième fois, donc. Rien à commenter, rien à dire. Avec l'idée la bisou, mais restez, elle m'a rabio sur Fali Poupa. A salut sur tous à la Luna Basilite. Photo CP Samino, van à Paris, van à Kumo, van à Mokilmo, pas quoi. Ouais, c'est Walou Bas. Rien à dire, quoi, on est ensemble. Aïcha, la Mongoti Navamo, je n'ai c'est international. Afghan, je suis maintenant. Deuxième fois, c'est Nietzsche. Il y a un peu de c'est encore. Je suis là c'est maître Mando les chorégraphes planétaires quoi. Chorégraphe solo, ouais ça va trop faire ma frisine, ma courra mani. Ouais là pina bon c'est mon souk un spectacle avant tout bougana, ça de France wana. Bon on oublie tout ça va être mon danger. La petite moto là bas tout voilà la mission génome de la forme. Papa ouais sur pour pas qu'il la seconde bataille. Kitoko, Pelachi Massamba de Djoubek, Frankie Kani dans la bosse sanité, Jot Massamba, Foukis, Osepela quoi. Maître Mado pour la chorégraphe planétaire, artiste. Ah, majuscule quoi. Ouais, voilà mes guinées, c'est ça, galop du compas. Des fois, c'est net déjà, bon, donc, vous savez, au Matarara, grâce à mon patron, Pichichi. Donc, nous avons déjà la carte zénith, le préparatif, moi, déjà, balance à moi, donc, tout est bon, donc, le bidon, tout est en arabe.
chef là, ils sont tous en ligne, il faut lui mettre en micro, moi j'ai pas de gars. Vas-y, mais parle quand même Très chers amis du petit écran, nous sommes toujours au Zénith de Paris pour assister donc à ce qui se prépare au concert donc de demain de Fally Ipupa. Alors maintenant nous sommes avec son producteur, David Mansour. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Mais très bien, vous-même? Moi je vais bien, merci. Alors comment ça se passe d'abord par rapport au concert qui aura lieu demain? Ben, tout se passe bien, la preuve, hein, vous voyez, on est en train de on s'occupe des répétitions. Et tout se passe bien, on pense qu'on aura un beau monde demain pour faire une belle petite fête. En vous posant la question, je faisais donc allusion à l'actualité qu'il y a sur Paris par rapport aux combattants et tout. Vous pensez que vous avez pris des dispositions qui pourront permettre à ce qu'il y ait vraiment de la sécurité pour tout le monde? Oui, on a pris les dispositions pour, je pense que c'est des gens compréhensifs, intelligents, qui ont compris qu'il faut laisser chacun faire son métier. Donc je pense qu'ils ont compris, donc on a pris toutes nos dispositions, tout va bien se passer. Puisque nous vous avions, on en profite pour vous poser la question justement par rapport au clip. À quand est-ce que nous aurons l'intégrale des clips? L'intégrale des clips de Fally Ipupa. Normalement dans 2 semaines. Dans 2 semaines? L'égalité de tous les clips pour la fin du mois de mars. Et ben, puisque vous êtes aussi producteur de JB Piana, comment ça se passe avec lui? Ah, très 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 bien. Vous avez vu un peu la promo, l'album a été bien accueilli. Superbe album. On a fait de super clips. Lui aussi, l'intégrale de ses clips sortiront aussi dans 2 semaines. Et pourquoi le choix de JB Piana après Fally Ipupa? JB Piana est un grand artiste. C'est quelqu'un qui a une super voix. C'est un artiste dont ça fait un moment que je voulais travailler avec. Et aujourd'hui, il m'a donné l'occasion de travailler avec. Il est content, je suis content. On forme maintenant une famille. Donc on pense qu'on ira de l'avant. On essaie de lui apporter un peu de fraîcheur à sa carrière. Et je pense que tout se passe bien. D'accord. Alors on termine, mais une dernière question par rapport à Fally. Vous êtes toujours content de lui, quoi, par rapport à votre collaboration? Oui, toujours content. Il travaille toujours aussi bien, toujours aussi pro. Et tout se passe bien. Merci, David. Merci. Au revoir. Voilà. Tôt continuer, très cher.